messieurs, à notre grand prix de l'année. Dans la voiture numéro 34, le Corvette Arrow, Simon Mackey. Dans la voiture numéro 28, l'arrêt de Spider, Alex Schenker. Tous deux ont remplacé à la dernière minute les deux coureurs absents, John Millman, qui a eu un accident hier, et Jimmy Schuster, qui n'a pas pu venir pour des raisons familiales. Un peu sonné. Eh ben, dis donc. Oh là. Juste un petit jeu vidéo, hein. Tu aurais pu me prévenir que c'était aussi réaliste. Écoute, tu n'aurais pas voulu. Tu m'aurais reproché de jouer à des jeux trop dangereux. Je te connais. Ouais, tu as sans doute raison, mais avec toi, on a vite fait de passer de ton imagination à la réalité. Eh ben, c'est comme ça que ça doit être. En tout cas, c'est moi qui ai gagné. Sans tricher. Tu es sûr? Ah oui. Tu m'en crois capable? C'est toi qui as inventé le jeu. Si tu veux, on recommence. Tu prends ma voiture et je prends la tienne. Peut-être tout à l'heure, quand je serai remis de mon accident. Quand tu veux, tu me préviens. Mais pour l'instant, laisse-moi seul avec Lizzie. Je ne sais pas qui vous coiffe, mais c'est du gâchis. Heureusement, vous êtes venu me voir. Bon, vous allez être encore plus belle. Le fer à souder, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai pourtant rangé là. L'ennui, c'est que je range tout au même endroit et du coup, je ne trouve jamais rien ici. J'arrive, ma chère Lydie, je vais faire chauffer le fer à friser. Simon? Monsieur Brim veut te voir au sujet de tes... Oui, votre zébule, on sait quelque chose. Les magasins de jouets m'appellent pour me dire que ça n'arrête pas de bondir sur les rayons. Alors, vous voyez, monsieur Brim, je vous l'avais dit que les enfants se précipiteraient. Non, 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 vous n'avez pas compris, Simon. Ce sont les zébulons qui n'arrêtent pas de bondir sur les rayons. En tout cas, il ne demande qu'à être vendu. Vous avez vu, il piaffe d'impatience. Oh, je suis au bord de la dépression et elle fait des plaisanteries. Oh, mais non, respirez à fond, c'est grave. Hein? Ah, c'est peut-être à cause du couvercle, c'est ça. Pas assez hermétique. Alors là, vous me faites hurler de rire. Pas assez hermétique, des couvercles. Non, non, les jouets Brim respectent la norme, eux. Ou alors, il se produit peut-être un changement moléculaire dans l'enduit. Que comptez-vous faire? Tous les problèmes ont une solution, monsieur Brim, mais dans ce cas-là, la solution, c'est le problème. Oui, Simon, c'est excellent de garder votre sang-froid et votre bonne humeur, mais pour l'instant, je vous avouerai que je suis un peu pressé. Oui, je sais.
Écoutez, monsieur Brim, si vous voulez que Zebulon envahisse le marché, il va falloir me faire confiance. Les éprouvettes et moi, on va trouver la solution du problème. Ah, j'oubliais, Simon. Demain et après-midi, il faut absolument que vous alliez à cette réception à l'ambassade. Je veux que ce soit vous qui représentiez les jouets Brim. Tenez. Voilà les invitations. Merci. Voilà. Je compte sur vous pour y aller. Il faut un peu vous distraire, ça vous changera du travail. Quoi, me distraire dans ces trucs-là? Je ne suis pas aussi inventif que ça. Si, je vous en prie, dites-lui d'y aller, sinon il va avoir mon ulcère à l'estomac sur la conscience et il pourrait le regretter, d'accord? Allons, allons, venez, monsieur Brim. On va l'arroser avec une tasse de thé, votre ulcère. Consulat Union des Républiques Soviétiques Socialistes. Vous aviez le choix, monsieur Conway. Vous savez que vous êtes invité à vivre chez nous en tant que citoyen soviétique. Quelle générosité! Un célèbre chercheur américain passe en Union soviétique. Il travaillera avec l'État sur un important programme. Ça vous plairait, hein, pour votre propagande. Qu'est-ce que vous croyez? Où est Olga? Ah, j'imagine que vous avez envie de la voir. Amenez la petite fille, monsieur Conway est ici. Tu me manquais tellement. Toi aussi tu m'as manqué, ma chérie. Ma Korotinka. Pourquoi est-ce que tu n'étais pas là quand maman est morte? J'aurais voulu être là. Mais je n'ai pas pu, vraiment. Je croyais que tu... Et il a fallu que je parte, mais j'aimais ta maman. J'étais très malheureux. Regarde. C'était sa médaille, elle sera pour toi un jour. Toi aussi, je t'aime, tu sais. On ne sera plus jamais séparés. Je vais pouvoir être américaine? Oui, dès qu'on sortira d'ici. Est-ce que ces papiers sont faits? Il ne reste qu'une petite question à régler. Olga, tu vas aller avec la dame et on s'en ira après. On ira à Disneyland. J'ai mordu à l'hameçon. Il ne vous reste plus qu'à tirer la ligne. C'est toujours comme ça que vous faites. Mon cher Conway, depuis que vous êtes revenu en Amérique, vous avez beaucoup travaillé à la défense sur l'armement antimissile, je crois, non? Jamais entendu parler. Gabi, c'est le nom de l'opération. Et vous, vous êtes le principal ingénieur qui travaillait à ce projet. Ça ne marchera pas. On est en Amérique, pas en Russie. Ici, mon cher, nous sommes en territoire soviétique. Et ma fille, alors? Vous entendez, ma fille? Elle a le droit de partir, elle est américaine. Elle est de nationalité soviétique. Sa mère est née en Union soviétique et votre fille aussi est née en Union soviétique. C'est insensé. Il est hors de question que je vous donne ce que vous voulez. Eh bien, dans ce cas, je suis désolée, mon cher, mais moi non plus, je ne peux pas vous donner ce que vous voulez. Tant pis, n'en parlons plus. Arrêtez. Elle est ma seule raison de vivre. Nous avons juste besoin d'informations. De simples données techniques qui ne feront que confirmer ce que nous connaissons. Hein? Vraiment, est-ce que c'est beaucoup demandé en échange de la réunion de votre famille? C'est peu de choses. Simon, j'ai un problème. La vie est faite pour résoudre les problèmes, Alex. Oui, bon, ben, j'ai pas le temps de philosopher. Il faut que je parle à quelqu'un, c'est très important. Et où est le problème? J'ai hâte de pas te laisser seul ici. Tu sais bien qu'il y a le ministre du commerce russe en ville et que ça grouille d'agents du KGB.
Écoute, Alex, je te jure que je n'ai pas l'intention de devenir communiste aujourd'hui, si c'est vraiment ça qui t'inquiète. Oui, mais c'est eux qui te veulent. Écoute, mon vieux, tu as de la chance. Je ne sais pas quoi faire avec l'enduit Zébulon. Ça va me faire du bien de prendre l'air. Oui, mais il m'a demandé de venir seul. Ça va peut-être l'ennuyer. Je t'assure que personne ne me verra. Je serai invisible. Enfin, c'est une façon de parler. Ah bon? Non, parce qu'avec toi, il faut s'attendre à tout. Bon, tu viens? Tu viens, Hélène? On va jouer là-bas. Non, je veux rester au toboggan. Ça doit vraiment être top secret, votre discussion. Tu ne peux pas me dire en gros de quoi il s'agit. Non. Tiens, Hélène. Tu lances pas assez fort. Salut, Ralph. Salut, Alex. Envoie-le-moi. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ralph Conway, Simon McKay. Bonjour. Salut. Ne t'inquiète pas, c'est un très bon ami. Bon, eh ben, je vais vous laisser puisque vous avez des choses à vous dire. À tout à l'heure. Je vais m'asseoir dans l'herbe là-bas. Sous l'arbre. On marche un peu. D'accord. Les enfants, venez par là. Vous voulez que je vous apprenne à faire un parachute? Ah oui? Alors cueillez-moi des fleurs, là. Je suis coincé, je peux rien faire. Si je veux revoir ma fille, je n'ai qu'une solution, c'est de leur donner des informations sur le projet. Bon, je connais bien Katrina, elle a l'air charmante comme ça, mais en fait, elle n'a aucun scrupule. Maintenant, il me faut quelque chose pour les attacher ensemble. Trouvez-moi un brin de paille. L'ennui, c'est que d'un côté, je ne veux pas leur donner des secrets d'État, mais je ne veux pas non plus leur laisser ma fille. Qu'est-ce que je peux faire? Mais Ralph, pourquoi est-ce que tu vas pas plutôt voir les autorités? Alex, je sais que tu travailles pour les services secrets. Là, il faut les attacher vraiment solidement pour être sûr que ça tienne. Voilà. Je l'ai toujours su, depuis qu'on s'est rencontrés. À Oslo, quand tu travaillais au consulat. Et puis surtout, je te fais confiance. Je vais y réfléchir. Attention, voilà une petite brise. Hop! Je vais voir ce que je peux faire. Je te remercie. Ah, vous avez fini? Oui, heureusement que tu devais être invisible. Ah, je suis désolé, mais je ne pouvais pas deviner qu'il y aurait tellement de gens autour de moi. Je faisais juste un petit bouquet de fleurs. Eh oui, c'est la vie. Même en plein milieu du Sahara, t'attirerais les foules. Vous avez prévenu Conway de ce qui lui arrivera s'il donne des secrets d'État? Non, il le sait. Ce n'est pas un espion, on le fait chanter. Je veux l'aider personnellement. Ce n'est pas de notre ressort. C'est un ami. Écoutez, ils se servent de sa fille qui a 6 ans pour le faire céder au chantage. Laissez tomber, c'est l'affaire du FBI. Je veux l'aider, j'y tiens. Laissez-moi 24 heures. Alex, je vous ferai remarquer que vous n'êtes pas payé pour ça, mais pour protéger Simon McKay. Je sais, Lyndon, je sais. D'accord. Pas plus de 24 heures. Merci. Et n'y mêlez pas McKay, Alex. On va voir si ça vous chatouille. Là, ce beau qui roule. On va faire un petit bain de pied. J'espère que c'est bon cette fois-ci. Et... c'est curieux. En résolvant un problème, j'en ai créé un autre. Fascinant. Oui. Et maintenant, elle rebondit trop pour son poids, la chérie. Simon, il faut que tu m'aides. J'ai trouvé la solution. Il faut vendre l'enduit Zébulon en deux parties qui ne deviendraient actives que quand on les mélangerait. Et alors là, on aurait... Et qu'est-ce que tu voulais? Je veux des plans. Je veux le dessin d'une base d'armement antimissile. Ça peut attendre qu'on ait fini de dîner. C'est pas une blague, Simon. Quoi? Est-ce qu'ils t'ont chargé de la défense nationale? La fille de Ralph Conway a été enlevée par les Russes et ils ne veulent pas la lui rendre. Pourquoi? Parce qu'elle est russe et puis parce que... Bon, écoute, je t'expliquerai, mais il faut aller vite. Tu crois que tu peux dessiner quelque chose qui y ressemble à peu près?
Un plan qui soit assez bon pour tromper les Russes quelques heures. Oui, c'est possible. Les choses difficiles, je te les fais tout de suite, mais pour l'impossible, ça sera un peu plus long. Ça me prendra au moins 2 heures. Si tu y arrives, Simon, je te promets, je t'achète un caramel. Au moins, toi, quand tu me demandes un service, tu sais me motiver. Une base de tir anti-missile. Katrina Gorkin. Essayer de négocier avec elle, c'est comme si tu faisais une partie de water-polo avec un piranha. Et pourtant, il me semblait qu'il te restait encore tous tes doigts de pied. Oui, mais j'ai mordu en premier. Il y a 8 ans de ça, on était à Rome. Si j'étais vous, je n'aurais aucun regret, Monsieur Conway. N'importe quel homme intelligent aurait pris la même décision. Olga va être heureuse de vous retrouver. Alors, les papiers, donnez-les. Je veux d'abord ma fille. Остайте, Алена. Alors, les papiers, Monsieur Conway. Tes dessins sont bons, j'espère. Si elle n'y connaît rien, n'y verra que du feu. C'est quand je faisais des avions de chasse en modèle réduit, j'avais dessiné une base d'aviation miniature. C'est pas vrai. Ils vont le découvrir assez vite, mais ça sera trop tard. Ça m'a l'air tout à fait authentique. Je vous remercie infiniment, Conway. Tout le plaisir est pour moi. Allez donc chercher votre progéniture. Olga! Olga! Qui es-tu? Nous vous rendrons votre fille dès que nos ingénieurs de l'aérospatiale auront pu vérifier ses papiers. Un mélange spécial avec du thé noir de Java. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Merci. Bien, ils doivent savoir que les plans sont faux maintenant. Tu devrais appeler Ralph. Mademoiselle Gorkin, s'il vous plaît. C'est Ralph Conway. Bonsoir. Je sais, oui. Vous avez amené une petite fille qui ressemblait à Olga. Moi aussi, j'ai cru bon de devoir vous tester. Mais vous êtes très, très malin, mon cher Conway. Je dois dire que ma première réaction a été de me dire qu'on vous avait aidé. Seul un professionnel peut faire un tel plan. Non, pas du tout. Ce sont mes idées et mes dessins. Oui, je les ai, je peux vous les apporter. Mais d'abord, je veux ma fille. Sans ça, vous n'aurez rien. D'accord. Votre fille nous encombre plutôt qu'autre chose. Mais je vous préviens que si vous vous permettez encore de nous tester, et si nous n'avons pas les véritables plans dans les 12 heures, votre fille repartira par le prochain vol pour Moscou. Non, en 12 heures, c'est impossible. Cela vous suffira, Conway. Vous me les apporterez ici. Et quand on aura vérifié leur authenticité, vous pourrez récupérer Olga. Sinon, tant pis pour vous. Ben,
Nous avons 12 heures. Comment va Ralph ? Ralph, oh, Tilly lui remonte le moral comme elle peut. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, comme tu peux le voir, je fais des recherches. Bon, Simon, ça t'embêterait pas de vider tes poubelles ailleurs. J'essaye de trouver un moyen de rentrer dans l'ambassade de Russie. Moi et tout. Non, ah, et Simon, pas de blague, hein. Ils m'ont donné l'ordre de ne pas te mêler à ça. Écoute, Alex, si je m'en mêle, la moitié du problème est déjà résolu. Comment ça ? Je sais comment entrer dans l'ambassade. Par la porte d'entrée, je suis invité à une réception dans le cadre d'échanges commerciaux avec l'Union soviétique. C'est trop risqué. Ah, écoute, Alex, ils ne peuvent pas me mettre dehors, je suis invité dans les formes. C'est facile, il suffit d'y aller. Et en plus, c'est une invitation pour deux personnes. Lyndon va me tuer. Je ne dirai rien, et tu n'es pas obligé de lui dire non plus. Il faudra juste faire attention à ce que Mademoiselle Piranha ne puisse pas te reconnaître, c'est tout. Ça ira, je me déguiserai, mais il est hors de question que ce soit toi qui sorte le gars de là. D'accord. Elle t'a déjà vu ? Non, mais Ralph m'a donné un objet qu'elle connaît. Sa mère l'a donné à Ralph avant qu'il ne quitte la Russie. Ça vient de la famille et c'est Olga qui en héritera. C'est très joli. Alors, Simon, tu as bien compris ce que j'ai dit. Je veux que tu sortes de là tout seul et sans faire d'histoire, bien avant que j'aille récupérer Olga. Comme tu veux, Alex. Moi, je vous attendrai sur le trottoir d'en face. Non, Ralph, tu attendras ici, c'est trop risqué. Que j'attende ici sans rien faire, tu veux ma mort ou quoi ? Mais ça sera pas long, je te promets, tu verras pas le temps passer avec... Oh, bah tu veux arrêter une seconde ? Mais je peux m'habiller tout seul, enfin. Mais c'est bien, mais t'es fagoté comme l'as de pique, regarde comment t'as mis ta cravate, hein. C'est pas possible, attends, voilà, là c'est mieux. Oh, bah Tilly, laisse-moi tranquille. Oh, hein. Ça va, j'abandonne. Alex ! Norton Tellinger, votre service. Oh, très bon, Alex. Bonjour, Ralph. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ? Oh, j'ai juste apporté quelques jouets pour leur montrer ce qu'on sait faire en Amérique. C'est très sérieux, les jouets chez eux. Mais je peux voir ce que tu emportes ? Tu veux voir mon sac ? Oui, s'il te plaît. Bon, bah, d'accord. Oh, il n'y a rien de spécial, c'est juste quelques modèles. Et ça, ça sert à quoi ? Oh, ça, c'est au cas où on aurait besoin d'un petit coup de main. Enfin, voilà, ce sont des jouets, quoi. Bon, on y va, Simon, tu te dépêches. Oui, et Ralph, on va vous ramener Olga, il ne faut pas vous inquiéter. Je vous fais confiance, à tous les deux. Mais je m'inquiète, je peux pas m'en empêcher. Ouais, ça je comprends, mais ça ne sert à rien et Tilly va vous changer les idées. Bon, on y va ? Oui. Ne vous inquiétez pas. Allez, venez Ralph, on va se faire une partie de Jim Rami, on se compte un franc le point, d'accord ? Voilà. Monsieur Simon McKay est un invité. Nous vous souhaitons la bienvenue. On peut voir ce que vous avez apporté ? Eh oui, bien sûr. Merci. Alors ça, c'est le Cosaque russe avec le cheval qui avance. Ah, il a beaucoup de succès. Ça, c'est le nounours avec une boîte à musique dans le ventre. Oui. Alors ça, c'est une poupée qui chante des comptines. Les enfants l'adorent. Oui, ça va, ça va. Ah, attendez, c'est pas tout. Je peux vous montrer, si vous... Non, non, ça ira. Je vous remercie. Vous pouvez entrer. Merci. Excusez-moi, vous êtes ? Norton Terlinger, vice-président du marketing pour les jouets Brim. Il me semble que je vous ai déjà vu. Oh, je ne crois pas, je m'en souviendrai. Et vous n'êtes pas le genre de femme qu'on oublie facilement. Et je ne suis pas le genre de femme qui oublie un visage facilement. Bien, mon collègue m'attend, excusez-moi. Je crois qu'elle m'a reconnu. Il va falloir changer de plan, alors. Peut-être pas. Faut que je fasse vite, c'est tout. Là, c'est l'escalier principal. L'entrée de service. Il y a une porte de sortie par la cuisine. Alex, va-t'en, je m'en occupe. Non. Je crois que tu n'as pas le choix. Le piranha se prépare déjà de mordre les talons. Il est temps de passer au plan J. J ? Oui, J, comme jouet. Bon, alors prends ça. Merci.
Oh, Ralph, arrêtez de tourner en rond. Venez vous asseoir. Allez, venez, je vous en prie, venez, là. Ma famille. J'aurais jamais dû abandonner ma famille. Vous savez bien que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les gens ne puissent pas sortir de Russie, et ça, ce n'est pas votre faute. Bonjour. Olga, réveille-toi, j'ai une surprise. Chut, ne dis rien. Vous qui êtes-vous ? Chut, je suis Simon, c'est ton père qui m'a envoyé. Je t'emmène le retrouver, tu veux ? C'est vrai ? Oh, ne parle pas si fort, ils vont nous entendre si on fait du bruit. On va jouer un jeu, on va sortir sans que personne ne nous voie, d'accord ? Mais j'ai pas le droit d'aller dehors. Ah oui, je sais, c'est pour ça que je t'emmène dans un endroit où tu auras le droit de faire bien plus de choses qu'ici, tu vas voir. Allez, viens. Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as pas confiance en moi ? Non, papa m'a dit de jamais faire confiance à un étranger. Ton papa a raison, tu fais bien. Mais regarde ce que j'ai. Il m'a donné cette médaille pour que tu aies confiance en moi. C'est ma maman qui lui a donné. Je sais. Je sais aussi que c'est pour toi quand tu seras grande. Bon, ben, je vais avec toi. Très bien, il faut faire vite alors. Je peux pas parce que mademoiselle Yanov me surveille tout le temps pour voir si je fais bien la sieste. Tu aimes les ballons ? Oui. Hein ? Tiens, regarde. On les gonfle ? D'accord. Ne fais pas de bruit. Oh. Ça va, vous avez tout ce qu'il vous faut ? Oui, je vous remercie, madame. C'est très agréable, cette réception. Elle va croire que c'est moi, les ballons ? Eh oui, j'espère. Attends. Et d'une. Et de deux. Qu'est-ce que tu fais ? Ça fait partie du jeu, tu vas voir. Là. Voyons. Combien tu mesures ? Nous avions arrivé tout à l'heure. C'est ça. Oui, oui. N'aie pas l'air étonné, je te prie. Ah, cher ami, bonjour. Vous savez ce que les grands gourous disaient à tous ses disciples ? Tout comme notre œil décide où va se poser notre main, notre esprit sait guider nos pas loin du danger. Comment elle respire ? Respirer de l'air frais est bien sûr le désir de chacun d'entre nous. Ah, c'est vous. Oh, voulez-vous me présenter à votre intéressant compagnon ? J'aimerais bien, mais pour l'instant, c'est impossible. Vous pouvez me tenir bien ça, bien sûr. Revenez vite. Oui, oui, tout de suite. Enchanté. Champagne. Alors, il fait chaud. Non, merci beaucoup. Oh, du sommet de la montagne, on aperçoit les vallées. C'est vrai que c'est très beau. Mais dans la vallée, on peut aussi voir tous les détails du pétale de la petite fleur.
C'est quoi ce message-là? Je commence à avoir le vertige là où j'aimerais qu'on sorte. Oui. Il me semble qu'on s'est déjà rencontré quelque part. C'est bien possible, mon frère, dans l'une de nos vies passées, sans doute. Excusez-moi, mais votre fumée pollue mon corps qui proteste. Oui, il a la même réaction avec l'encens. Ah. On est presque arrivé, Olga. On va gagner. Oh, oh, ennemi à 3 heures. Je la retiens. Tu es tout seul, mon vieux. Je vous en prie. C'est vous. Bonjour, Alex. Comment m'avez-vous reconnu? Vos yeux. Je les reconnaîtrai entre mille. L'autre fois, ils étaient plutôt cajoleurs. Alors que là, ils ne décollèrent pas. Ça vous va bien? Parce que je n'ai plus besoin de cacher mes sentiments aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous ici? Beaucoup d'Américains en territoire russe ont le droit d'être protégés, non? On y est! Qu'est-ce que vous dites? Et ça vous regarde pas. Gauche, droite, Olga, attention à la table. Attends, à droite! Ah! Simon, va-t'en! Déclenchez l'alarme! Qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer au chat et à la souris, mais là, c'est très sérieux. Ne faut surtout pas qu'il nous attrape. Emmenez-les dans les sous-sols. On dit aux invités que nous sommes désolés, mais que nous sommes obligés de les renvoyer. Ne t'en fais pas, va! Ils n'ont aucun moyen de sortir d'ici, on les aura. Oui, c'est pas mal comme cachette. Mais il y a des hauts et des bas. Excuse-moi, je ne sais pas encore reconnaître ma droite et ma gauche. Mais non, ça n'est pas ta faute. Et ensuite, qui a dit qu'on avait perdu? Il faut juste qu'on ne fasse pas de bruit, comme ça ils ne trouveront pas où on est. Je voudrais bien être avec mon papa. On y sera bientôt. De toute façon, on va gagner parce qu'on est plus malin qu'eux. Et tu ne sais pas quoi? J'ai quelque chose pour toi. Ça tient. Serre-la bien fort. Elle aime les câlins. Comment elle s'appelle? Calamity Jane. Un agent qui s'introduit dans l'ambassade et qui essaie d'enlever une Russe, vous savez que cela pourrait créer un bel incident diplomatique avec votre gouvernement, Alex. Olga est à moitié américaine et elle veut être complètement américaine. Comme vous? Espion américain de mon cœur. Si je me souviens bien, vous aviez dit que vous arrêteriez ce métier de fou avant d'être trop vieille, Katrina. Non. Je n'ai pas du tout envie de retourner à Moscou, figurez-vous. J'aime mener une vie agréable. J'ai trop pris goût au style de vie américain pour abandonner tous les petits privilèges dont je bénéficie grâce à ma carrière. Laissez repartir cet enfant, Katrina. C'est pas très joli de s'en servir comme d'un pion dans un jeu de grandes personnes. Nous sommes tous des pions dans un jeu, Alex. Et ça, vous ne pourrez jamais l'empêcher. Je pourrais manger du chewing-gum si je deviens américaine? Ah oui, tu vas voir. Plus tu grandiras, plus tu feras ce que tu veux. Mais toi, tu n'as pas grandi? C'est vrai, moi je suis restée un peu petite. J'ai tout de même réalisé mes rêves. C'est quoi? De passer ma vie à m'amuser. Je fabrique des jouets. Quels jouets? Des jouets qui font rire même quelqu'un de triste. Ils sont faits pour rendre les gens heureux. Parlez-moi du petit copain qui faisait le clown avec vous. Il était drôle. Il a du talent. La taille et l'espace ne sont que des points de vue. Du sommet de la montagne, on peut voir... Apparemment, il est temps que j'aille chercher mon ami.
qu'on puisse tous sortir d'ici. Tu m'attends. Tu ne bouges pas d'ici. Attrapez votre amie et Olga Conway. Elle est enfermée dans sa chambre. Quant à lui, on a commencé à le cuisiner un peu là-haut. Je vous crois pas. Je vous promets qu'on ne lui fera aucun mal. Si vous m'aidez, je vous laisserai tous partir. Vous l'avez pas attrapé. Comment pouvez-vous prendre ce risque? Parce que je le connais bien, c'est comme si on essayait d'attraper un savon avec les mains mouillées sous la douche. C'est vrai, il est petit, mais il court vite. Il était presque aussi glissant que vous à Rome, mais on l'a tout de même attrapé. Eh bien, amenez-le. Je veux le dessin de Ralph Conway. Il suffit qu'il apporte les plans du projet Gabi. Alex, je vous préviens, la vie de votre ami est entre vos mains. Alors, qu'est-ce que vous attendez? J'ai tous les jours mon quota de miracles, c'est vrai. Dépêche-toi, le passe-plat va bientôt partir. C'est vrai qu'on a intérêt à être plat. À mon humble avis, on a gagné la deuxième partie. Maintenant, on va se faire la belle. Attendez, Ralph. Ne faites pas de bêtises. Revenez tout de suite à la maison, Ralph. Excusez-moi. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un nain, une petite fille et un autre type qui ont dû voler quelque chose, et on les a arrêtés et tout le monde a été obligé de sortir. Et moi, j'ai encore mes échantillons à l'intérieur. Ralph, vous n'allez pas vous rendre aux Russes. Est-ce que vous allez trahir votre pays? Je donnerai des cours d'anglais. Je deviendrai maçon, balayeur, je ferai n'importe quoi pour être avec Olga. Ils ne vont jamais vouloir vous rendre votre petite fille, même si vous leur donnez la lune. Tilly, ils sont piégés à l'intérieur, vous avez entendu? À l'intérieur, oui. Mais piégés, ça m'étonnerait. C'est impossible qu'ils soient sortis, j'en suis certaine. Ils ne peuvent être que dans la maison. Trouvez-les. Dites à Mademoiselle Gorkin que Ralph Conway veut la voir. Vous allez le regretter. Appelez. Prends la poupée, Olga, vite. Tiens, donnez-moi. Alex et toi, vous allez faire un petit tour dans les airs. Ça va être comme à Disneyland. Il faudra bien t'accrocher, hein. Et toi, on va pas glisser. Ne t'inquiète pas, je vous suis maintenant. Allez-y, vite. Là, bonjour. Le consul va vous recevoir. Ralph, regardez. Il est resté à l'intérieur. Saute, Simon, dépêche-toi! Simon, viens par là, vite!
Arrêtez-le! Viens ici, vite! Zébulon, c'est maintenant ou jamais! Ça marche! Ariel, Skyel, бегите! Simon, veux-tu descendre de là tout de suite? Dis donc, ça a failli nous faire faux bond. Alors ça, tu l'as dit. Simon, qu'est-ce que tu dirais d'une soupe et d'un melon pour le dîner? D'une soupe de bouillon? Oui. J'ai pensé que ça te remettrait un peu les pieds sur terre, si tu veux savoir. Ouais. Tilly, je trouve que tu exagères un peu. Tu sais bien que je ne digère que les vis. Ça dépend, pas si je te fais une tisane à l'huile de vidange. Bon, alors ça ira, mais il faudrait que tu y rajoutes des clous à tête plate, alors. Oh, ces robots, ce qui peuvent être difficiles à nourrir. Oh, j'y vais. Au fait, si tu as des œufs à battre, c'est le moment. J'ai réparé le bâtisca. Mademoiselle Gorkine. Ça va, Tilly? J'imagine que vous venez voir Alex. Oui. Cela dit, je peux aussi être intéressée par ce que vous faites. Je ne pense pas. Il y a longtemps que j'ai arrêté de fabriquer des armes, ce n'était pas assez amusant. Mais en revanche, je peux vous montrer mes jouets, si vous voulez. Ah, je n'ai vraiment pas le temps. Je vais chercher Alex. Je suis là. Dommage, ça vous aurait plu. Ça sera pour une autre fois. Ta suidagne. À vos souhaits. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu vous dire au revoir. Ah, si je comprends bien, vous rentrez à Moscou pour vous faire gronder? On ne peut pas toujours gagner, n'est-ce pas, Alex? Cette fois-ci, c'est moi qui ai perdu, chacun son tour. Vous êtes assez bonne joueuse à votre façon. Et vous, vous êtes très sympathique. Et tout à fait séduisant. Oui, je vous aime bien. Dommage qu'on ne soit pas du même côté. Je peux vous aider à rester, si ça vous intéresse. Ah. Non, merci beaucoup. Ah. Je retrouverai mon chemin toute seule. Alors, à bientôt. Tu l'aimes bien, cet ours? Lui aussi, il t'aime bien. Tu peux le garder. Youhou! Ici, c'est le rêve pour les enfants. Il y a des jeux qui sont des cauchemars aussi. Je trouve que c'est chouette ici. Je veux rester en Amérique. Nous aussi, on veut bien que tu restes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient osé faire comme toi tout à l'heure. Moi, je trouve que tu es très courageuse comme fille. Attention, attention! Voilà le goûter. Et c'est ce gâteau, Olga. Tu me diras comment tu le trouves. C'est du biscuit avec des amandes et recouvert de chocolat. Oui, ça s'appelle des reveux. Oui, parce que quand on en a goûté, on en reveut. D'accord, prends-en un. Mais ce n'est pas bon pour la ligne, les reveux. Merci, Tilly. Tchin, tchin.